nous avons rendez-vous ensemble avec Brigitte Lahaie. Alors Brigitte Lahaie, vous la connaissez tous, hein, ça a été l'égérie de l'érotisme français dans les années 70. Et puis elle a fait du cinéma aussi, elle a eu des petits rôles, elle a même joué aux côtés d'Alain Delon dans un film d'Henri Verneuil, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, elle est à la radio. Ça fait 9 ans qu'elle travaille à RMC, où elle parle avec les auditeurs de la vie, de sexe, d'amour. Et on va la rencontrer justement sur son lieu de travail. RMC, Brigitte Lahaie, l'amour et vous. Il faut savoir que par ailleurs, évidemment, si je la rencontre, c'est parce qu'elle est passionnée d'équitation depuis son plus jeune âge. Mais en tout cas, elle a un cheval à elle depuis qu'elle a l'âge de 20 ans. Vénarde quand même. On est presque arrivé là. C'est bien d'avoir rendez-vous à l'abri pour une fois. Vous allez bien? Ça va bien. Bon. RMC, c'est ici. Bonjour. Enfin, la météo de cet après-midi, ciel gris et pluvieux sur une large. Ah, il y a qui vient? Voyez ça. Bonjour. 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 Installé parfois orageux de 10 à 22 degrés. RMC, 14h passé de 3 minutes. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaie. C'est à vous. Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h sur RMC. Je vous propose que nous envisagions déjà toutes les pistes médicales. Et puis, vous vous en doutez bien, on ira ensuite vers les pistes psychologiques qui sont évidemment au moins tout aussi nombreuses. RMC, partout, tout le temps. Le cheval, c'est forcément avant? Pour une journée type? Oui, le cheval, c'est le matin. Parce que quand je rentre après, je suis un peu... Et puis j'ai encore du boulot, tout ça, donc c'est assez rare que je monte à cheval en rentrant. Et puis après, quand l'hiver, il fait nuit, même si j'ai de la lumière sur la carrière, j'essaye de gérer les chevaux le matin. Donc je vous retrouverai chez vous un matin. Exactement. Super. Je suis très heureuse avec lui, on partage beaucoup de choses. C'est vraiment l'homme de ma vie. C'est travaillé. Il n'y a que ce problème-là, donc c'est difficile à vivre. C'est sa problématique qui rencontre la vôtre. Voilà, on va la laisser terminer son émission, récupérer les petites affaires. Et puis le prochain rendez-vous avec Brigitte, ce sera dans sa carrière avec ses chevaux. J'ai rien oublié. Bon après-midi, merci. Au revoir.